En 2022, beaucoup de rendez-vous, évidemment, tout au long de l'année. Le premier que l'on peut citer, c'est le congrès international FAN, qui aura lieu en juin à Senlis, organisé conjointement avec le CETIM. Le deuxième, c'est un événement qui aura lieu en septembre, qui s'appelle FIRE, sur la récupération d'énergie, en collaboration avec Calis, et avec le soutien et le partenariat du CEA d'ITEN. L'automne sera assez riche parce qu'il y aura également les journées de la mesure qui auront lieu à Lyon en accompagnement du salon Mesure Expo Solutions. Et puis on aura un événement quand même important en 2022 pour la profession, c'est Interclimat en octobre qui viendra clôturer l'ensemble de ces différents événements. Et puis bien sûr quand même, ne pas oublier, en novembre, le congrès du CETIAT. Nous invitons toute la profession à venir nous rencontrer d'une part et puis à découvrir tous les résultats d'études de l'année.